en n'ayant pas la possibilité d'incastrer encore le réfrigérateur, j'ai installé des poignées magnétiques de façon à faciliter l'ouverture des portes. Également, j'ai posé des caches qui peuvent permettre de finir l'installation. Alors, les caches se situent en bas du congélateur, ainsi que le cache ici entre le congélateur et le réfrigérateur. Alors, il y a un cache d'un côté, un cache de l'autre. Bon, en bas, il faut découper une partie de façon à libérer l'axe de la porte. Normalement, ce cache est sectionnable en deux parties. Là, j'ai fait une petite erreur. En fait, j'ai coupé les deux parties alors qu'il aurait fallu que je coupe simplement la partie de droite. Mais à part ça, bon, ça s'installe, ça va. Voilà, il faut mettre le cache ici dans sa glissière. Le cache dans sa glissière et le filtre. Le cache du bas est lui aussi d'un côté et de l'autre, après avoir coupé la petite linguette pour laisser passer la vis de centrage.